Tu sais, la NASA n'explore pas seulement les étoiles, les planètes, les galaxies et les trous noirs. C'est difficile à croire, mais c'est vrai. L'agence américaine fait aussi des découvertes ici, sur notre planète. Alors, qu'est-ce que la NASA a découvert récemment? Y a-t-il de la vie sous la glace? Après avoir analysé des données, ils ont révélé que quelque chose d'incroyable se cachait sous la glace de l'Antarctique. Et cette découverte ne change pas seulement tout ce que nous savions sur l'ensemble du système hydrique de la Terre, mais elle pourrait aussi aider dans nos recherches sur la vie dans l'espace. L'existence de l'humanité pourrait dépendre de notre compréhension de l'Antarctique et de ses secrets. Ces récentes découvertes révèlent donc des informations vitales pour notre survie. Mais avant de continuer, voyons ce que tu sais de cet endroit où tout n'est que glace à perte de vue. L'Antarctique est l'un des 7 continents de la planète, situé dans l'hémisphère sud. C'est le 5e plus grand continent en termes de superficie totale. Cela signifie qu'il fait presque 2 fois la taille de l'Australie. Tu veux voir de vraies météorites? Va en Antarctique. Grâce à son climat sec, l'Antarctique est l'un des meilleurs endroits au monde pour observer l'espace. Mais ce qui est encore mieux, c'est que tu peux trouver des météorites dans la surface blanche du continent. Les scientifiques ont déjà extrait environ 45 000 météorites de la glace. Et ils pensent en avoir détecté au moins 300 000 autres. Comme il n'y a pas beaucoup de roches sur ce continent, il est assez facile pour eux de les repérer grâce à leur couleur sombre. L'environnement sec et désertique de l'Antarctique favorise aussi leur préservation, même celles qui sont tombées sur Terre il y a plus d'un million d'années. Et peux-tu imaginer une activité volcanique en Antarctique? Difficilement. Pourtant, c'est bien l'endroit où le feu rencontre la glace. C'est en Antarctique occidentale que l'activité volcanique est la plus importante. Les scientifiques ont récemment découvert qu'il existe 138 volcans rien que dans cette partie du territoire. Eh oui! Tu crois probablement qu'il fait toujours très froid en Antarctique, mais non. Ces régions côtières peuvent atteindre une température de 10 degrés Celsius. Mais t'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait l'Antarctique s'il n'y avait pas de glace? Cela peut sembler inimaginable maintenant, mais ce continent n'a pas toujours été recouvert de glace. D'accord, c'était il y a 34 millions d'années. Donc jusqu'à présent, personne ne pouvait savoir à quoi ressemblerait sa surface sans la glace. Mais la NASA a remédié à cela. Ils ont créé des simulations informatiques et ont dressé la carte la plus précise du continent à ce jour. Et ce qu'ils y ont vu est incroyable. Le continent n'est pas du tout plat comme on le croyait auparavant. Il est plutôt bosselé avec des vallées, des plaines ondulées et de hautes montagnes. Mais ce n'est rien à côté de ce qu'ils ont découvert sous la glace de l'Antarctique. Alors, qu'est-ce que c'est? Roulement de tambour, s'il vous plaît. La NASA a trouvé 2 nouveaux lacs subglaciaires. Et ce qui est encore plus cool, c'est qu'ils ont repéré ces lacs depuis l'espace. Comment est-ce possible? Si ta réponse est grâce à des satellites high-tech, alors tu as raison. En 2003, la NASA a lancé un satellite appelé ICESat, qui a mesuré la masse de la calotte glaciaire et la hauteur des nuages et des aérosols. Le satellite a aussi permis de créer cette carte de l'Antarctique sans glace. En 2010, l'Agence spatiale européenne a lancé un deuxième satellite, CryoSat 2. Son objectif, suivre les changements d'épaisseur de la glace. Puis, en 2018, la NASA en a lancé un troisième, ICESat 2, pour prendre la relève d'ICESat. Il a mesuré l'élévation de la calotte glaciaire et l'épaisseur de la glace de mer. Il s'agissait du laser d'observation de la Terre le plus avancé de la NASA. Il a fourni des données de la plus haute précision. Et lorsque ces données ont été combinées avec celles des autres satellites, il a été possible de repérer ces 2 nouveaux lacs près de 2 autres de plus grande taille. Mais d'abord, comment est-il possible que ces lacs existent? L'épaisseur moyenne de la plupart des glaces de l'Antarctique est d'environ 1,9 km. Cependant, elle peut atteindre plus de 2,8 km d'épaisseur à certains endroits, surtout en hiver. On pourrait donc se dire qu'il n'y a rien en dessous. Mais la science nous dit le contraire. Ce n'est pas vraiment visible à l'œil nu. Pourtant, la glace du continent s'écoule lentement, mais constamment, et ce, dans différentes directions sous la pression de sa propre masse. Mais pendant de nombreuses années, les scientifiques ne comprenaient pas comment l'eau se déplaçait. Cela a commencé à changer en 2007, lorsque les données recueillies par l'ICESat ont permis de comprendre ce qui se cache sous la surface.
Ils ont découvert pour la première fois un réseau de lacs d'eau de fonte, tous connectés sous les courants de glace rapide de l'Antarctique. Et il y en avait des centaines. La glaciologue Hélène Amanda Fricker de la Scripps Institution of Oceanography a émis l'hypothèse que les changements d'élévation mesurés par l'ISAT se produisaient en raison de la dynamique de ces lacs. Ils ne retenaient pas l'eau de fonte de façon statique. Au lieu de cela, ils se remplissaient et se vidaient continuellement au fil du temps grâce à un système de canaux. Et au fur et à mesure, la glace au-dessus se soulevait et s'effondrait. Mais où allait toute cette eau ? Dans l'océan, bien sûr. Et il s'en écoule beaucoup. Une étude récente, coécrite par Fricker, a révélé que l'écoulement des eaux d'un lac déverse pas moins de 750 milliards de litres dans l'océan en seulement 3 jours. D'innombrables mystères concernant les phénomènes naturels attendent encore d'être résolus. Mais la découverte de ces 2 nouveaux lacs donne aux scientifiques une meilleure idée de la vitesse à laquelle la calotte glaciaire de l'Antarctique se modifie à mesure que le climat se réchauffe, ainsi que de la façon dont cela affecte les courants océaniques et l'élévation du niveau de la mer. Le cycle de remplissage et d'écoulement des lacs provoque également des fissures et des crevasses sur la couche de glace. Les informations que les chercheurs trouveront dans ces nouveaux lacs leur permettront donc de mieux comprendre ce qui se passe à la surface de la glace. Ils pourront aussi évaluer comment ce système de remplissage et d'écoulement influence la vitesse à laquelle la glace glisse dans les océans et les mers. Et cela signifie qu'ils pourront évaluer comment l'eau douce ajoutée peut modifier les écosystèmes marins. Cette découverte peut également nous permettre de savoir si la vie existe sous la glace. Génial ! Les scientifiques ont foré à environ 1068 mètres dans la glace et ont découvert que les échantillons d'eau prélevés dans l'un des lacs contenaient environ 10 000 cellules bactériennes par millilitre. Un nombre aussi élevé de vie bactérienne est un bon signe, car cela signifie que les eaux glacées pourraient aussi abriter ces formes de vie plus développées, comme des micro-animaux. Et l'un de ces nouveaux lacs pourrait même être l'endroit où ils vivent. Mais le plus fascinant, c'est que ces nouveaux lacs pourraient les aider à comprendre si la vie est possible sur d'autres planètes. Les scientifiques pensent que la vie sous la surface gelée de la planète Mars, s'il y en a, pourrait correspondre au modèle observé dans les lacs de l'Antarctique. Il est donc possible qu'ils trouvent de nouvelles informations cruciales sur le type de vie qui a pu exister sur la planète rouge. Mais les hivers y sont plutôt rudes. La température la plus basse sur Terre est de moins 89,2 degrés Celsius. En 2010, la température est même tombée à moins 93,2 degrés Celsius. Et le ressenti de ce froid est bien pire en raison des vents forts et secs. Savais-tu que la superficie de la glace de l'Antarctique change aussi tout au long de l'année ? Elle fait environ 3 millions de kilomètres carrés en été. Mais en hiver, elle atteint 19 millions de kilomètres carrés. Pourtant, malgré ces changements, elle reste le plus grand morceau de glace existant sur Terre. Désolé l'Arctique, c'était bien tenté. Tu as déjà vu des manchots ? Eh bien, ces animaux sont les maîtres des lieux, car il n'y a pas de peuple indigène en Antarctique. C'est un no man's land, et aucun pays ne le possède. Sa véritable population est constituée de 5 espèces différentes de manchots, de phoques et d'orques. Malgré les conditions difficiles sur ce continent, tu peux aller y pêcher en touriste et y faire des recherches. Environ 5000 personnes résident sur le continent pendant l'été, dans des stations de recherche. Mais quand l'hiver arrive, ce nombre diminue bien entendu, jusqu'à un petit millier. Enfin, la couche de glace de l'Antarctique représente 70% des réserves en eau douce de la planète. Imagine ce qui se passerait si elle fondait. Le niveau des mers, partout dans le monde, augmenterait de près de 60 mètres. C'était l'une des plus grandes créatures à avoir jamais parcouru la Terre. Elle était plus longue qu'un bus scolaire normal et pouvait facilement peser plus que 10 éléphants ensemble. Mais où vivait le mégalodon ? Comment a-t-il fini par avoir cette taille ? Et surtout, pourquoi a-t-il disparu de nos jours ? C'est ce que nous allons découvrir. Le mégalodon est le plus grand prédateur jamais connu dans l'histoire de notre planète. En termes de localisation, il vivait pratiquement dans toutes les eaux de notre globe, sauf près des pôles. La raison pour laquelle on n'a pas trouvé de dents de mégalodon en Antarctique est probablement que la gigantesque créature s'est adaptée uniquement aux eaux chaudes, tropicales et subtropicales. Les plus jeunes aimaient rester sur les côtes, tandis que les adultes préféraient les zones côtières. Mais ils pouvaient aussi aisément se déplacer en pleine mer. Comment savons-nous que le mégalodon était si répandu ?
nous pouvons seulement spéculer, en nous basant sur le fait que l'on a découvert les fossiles les plus au nord, au large des côtes du Danemark, et les plus au sud, en Nouvelle-Zélande. La question de savoir comment le mégalodon a atteint cette taille est toujours ouverte dans la communauté scientifique. Ils ont récemment découvert que tous les spécimens de cette espèce fascinante ne faisaient pas toute la même taille gigantesque. Cela est dû à la règle de Bergman, selon laquelle la température du milieu ambiant influe sur la taille de l'animal, qui doit conserver sa chaleur, soit en perdre. Les mégalodons qui atteignaient des eaux plus froides avaient probablement besoin de plus de poids corporel pour être sûrs de survivre à ces basses températures. Au contraire, ceux qui vivaient dans des eaux plus chaudes devaient être plus petits pour éviter de brûler. Mais à quoi ressemblait cet énorme poisson ? La plupart des représentations modernes montrent le mégalodon comme un gigantesque requin blanc. Mais il semblerait que ce ne soit pas forcément exact. Le mégalodon avait probablement un nez beaucoup plus court et une mâchoire plus plate qui paraissait presque écrasée par rapport au grand requin blanc. De plus, il avait visiblement quelque chose en commun avec le requin bleu de nos jours, des nageoires pectorales extra longues. Ils en avaient besoin pour supporter leur poids et leur taille lorsqu'ils naviguaient dans les eaux de la planète. Enfin, les demoiselles mégalodons, étaient certainement environ deux fois plus grandes que les messieurs. Quant à leur progéniture, même un petit mégalodon était énorme, au moins 1,5 mètre du nez à la queue. Comment le savons-nous ? Parce que des spécialistes sont tombés sur des sites de reproduction de mégalodons au Panama, dans le Maryland, aux îles Canaries et en Floride. Même les piles de couches sales étaient énormes. Non, allez, je rigole. L'aspect le plus effrayant de l'apparence du mégalodon était certainement sa bouche. Je veux dire, si tu y penses, le mégalodon mangeait des baleines pour dîner, alors il avait évidemment besoin d'ouvrir sa bouche assez grand. Les scientifiques ont estimé que sa mâchoire devait avoir une taille hallucinante. 2,7 à 3,4 mètres de large. Pour te donner une idée, cela signifie qu'il aurait pu facilement engloutir deux personnes adultes côte à côte. Attends, quels deux adultes en fait ? Ces mâchoires impressionnantes comportaient également 276 dents. D'après les reconstitutions modernes de la force de sa morsure, il semblerait qu'il ait été l'un des plus puissants animaux de proie, sinon le plus puissant à avoir jamais existé. À titre de comparaison, la force de morsure des humains peut atteindre environ 1300 newtons. On estime que les grands requins blancs d'aujourd'hui sont capables de mordre avec une force de plus de 18 000 newtons. Le mégalodon bat tous les records, avec une force de morsure estimée jusqu'à 10 fois supérieure. Il pourrait pratiquement écraser une voiture avec très peu d'effort. Ses dents étaient également assez surprenantes. Comme les requins, le mégalodon remplaçait rapidement ses dents cassées ou usées. Avec 4 ou 5 rangées de dents dans sa bouche, il agissait comme un tapis roulant, faisant repousser les dents abîmées ou manquantes en 48 heures environ. Cela signifie qu'un mégalodon adulte aurait probablement fait pousser plusieurs milliers de dents au cours de sa vie. Or, c'était gentil de leur part, car c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles les dents de mégalodon sont si fréquentes dans les archives fossiles et que nous sommes en mesure de les étudier correctement. Pour conserver son physique impressionnant, le mégalodon devait manger approximativement 1134 kg de nourriture par jour. Tu n'arrives pas à te faire à cette idée ? Eh bien, c'était l'équivalent d'une vache et quart par jour pour survivre. C'est comme si tu devais manger 3300 boîtes de thon par jour. J'ai souvent utilisé le mot mégalodon, mais je vous ai déjà dit d'où il venait. Traduit du grec, il signifie « dent géante ». Ah, ces Grecs, ils sont malins. Cependant, le nom scientifique complet de ce requin géant est un peu plus compliqué. Carcharocles mégalodon. Mais ces gigantesques prédateurs ont-ils vraiment disparu ? Nous tendrions à le croire, mais soyons honnêtes une seconde. Nous en savons plus sur la surface de Mars que sur les profondeurs de nos océans. Nous n'avons exploré que 15% de nos océans. Qui sait ce qui peut se trouver là-bas, dans les profondeurs ? Peut-être d'anciens prédateurs ? La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde sur Terre. Challenger Deep, sa partie la plus profonde, est si profonde que l'on pourrait y plonger l'ensemble du mont Everest. Et il resterait encore plus d'un kilomètre au-dessus de la surface. C'est super profond. Si un mégalodon ou deux avait besoin d'un endroit où se poser, ce serait un endroit assez discret. Cependant, la fosse des Mariannes n'est pas un endroit particulièrement confortable. Tu sais, parce que c'est froid et plongé dans l'obscurité totale et tout ça. Les températures ici sont d'environ 2 degrés Celsius toute l'année. Et pour couronner le tout, la pression est 1000 fois plus forte qu'au niveau de la mer. On peut supposer que si un mégalodon se cachait ici,
ses dents et ses os ne seraient pas en très bon état. À cause de la forte pression qui règne dans la fosse des Mariannes, les protéines et le calcium commencent à se dissoudre et à se désintégrer. C'est pourquoi, par exemple, le poisson limace, le poisson le plus profond que nous ayons découvert, a évolué vers un cartilage flexible à la place des os. Pour survivre ici, le mégalodon aurait dû apprendre à naviguer dans l'obscurité totale. Cela signifie qu'il serait devenu bioluminescent ou aurait évolué pour développer des yeux énormes comme le calamar géant. Bien que cela puisse sembler être une idée intrigante et géniale pour un scénario de film, la plupart des scientifiques ne pensent pas que cela soit possible. Pourquoi ? Eh bien, la majorité d'entre eux disent que c'est à cause de la taille du mégalodon. La plupart des aliments que les mégalodons aiment manger vivaient dans les zones océaniques peu profondes et non dans les eaux profondes. Les spécialistes pensent que si ces animaux erraient encore dans nos eaux, il serait impossible que nous ne le sachions pas. Il faudrait qu'ils viennent dîner de temps en temps, non ? Leur nourriture est également la cause la plus probable de la disparition du mégalodon. Alors que certains spécialistes pensent que le mégalodon s'est éteint à cause d'une baisse de la température de l'eau de l'océan, la majorité des scientifiques suggèrent que la dynamique changeante de la chaîne alimentaire est peut-être plus responsable. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il y avait de moins en moins de sa principale source de nourriture, les baleines à fanons. Et en même temps, le nombre de ses concurrents naturels, comme les requins prédateurs plus petits, comme le grand requin blanc et les baleines, a augmenté. Le mégalodon a vécu sur cette planète bien plus longtemps que nous, et à une époque où nous n'existions pas encore. Ils sont restés ici près de 70 fois plus longtemps que nous, les humains modernes, et ont habité les océans pendant environ 20 millions d'années. L'Homo sapiens est apparu il y a approximativement 300 000 ans. Le mégalodon a réussi à survivre si longtemps, surtout grâce à sa taille imbattable. Il pouvait faire un repas de presque tout ce qui se trouvait dans la mer à l'époque. Nous pouvons considérer ces deux espèces comme des créatures préhistoriques, mais les mégalodons et les dinosaures n'ont jamais coexisté sur Terre. Les dinosaures se sont probablement éteints il y a environ 66 millions d'années. Les mégalodons semblent être apparus un peu plus tard. En effet, les plus anciens fossiles de mégalodons que nous avons découverts jusqu'à présent datent de l'époque du Miocène, qui a commencé il y a 23 millions d'années. Adieu, Meg. Qui n'a pas rêvé un jour de franchir le cercle polaire pour en admirer les merveilles naturelles, des ours polaires gambadant sur la banquise aux aurores boréales ondoyant dans le ciel? Eh bien, désolé de te l'apprendre, mais l'Antarctique, pour sa part, n'est pas prête de recevoir des touristes. Pourquoi, me diras-tu? Plongeons dans le vif du sujet. Tout d'abord, où se trouve l'Antarctique? Il se situe dans l'hémisphère sud, plus précisément au pôle. L'océan austral l'entoure et la majeure partie du continent est recouverte de glace, ce qui en fait l'un des endroits les plus isolés et les plus froids de la planète. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui ait visité l'Antarctique? Probablement pas. C'est l'un des endroits les moins visités du globe et seule une poignée d'explorateurs chanceux ont pu découvrir l'intérieur du continent, qui est principalement constitué de glaciers et autres champs de glace. Mais crois-moi, la faune et les paysages y sont extraordinaires. Pourquoi ne nous rendrions-nous pas en Antarctique? Tout d'abord, l'environnement y repose sur un équilibre incroyablement fragile et peut être facilement endommagé. De plus, il n'y a pas de population humaine autochtone sur le continent, de sorte que votre voyage reviendrait à visiter une immense île déserte. N'oublions pas non plus que c'est l'une des destinations les plus chères. Malgré tout, l'Antarctique n'est pas exactement gardée comme une forteresse, mais il est régi par un accord international, le traité sur l'Antarctique. Ce dernier a été négocié afin d'empêcher toute activité indésirable sur le continent et interdit certaines formes de tests effectués par les États membres. Mais la principale raison pour laquelle nous ne pouvons pas entrer comme ça dans l'Antarctique est que l'écosystème y est fragile et doit être protégé. Le traité stipule que l'Antarctique ne doit être exploité qu'à des fins pacifiques et qu'il doit être exempt de toute activité humaine susceptible de nuire à l'environnement. Les scientifiques n'ont pas fini d'en apprendre sur l'écosystème unique du continent, et notre activité ou nos machines pourraient perturber l'équilibre délicat qui y règne. Si tu as toujours envie de te rendre en Antarctique, sache qu'il n'est pas facile d'obtenir une autorisation. Les citoyens américains, par exemple, doivent remplir un formulaire spécial et l'envoyer au Bureau des Affaires océaniques et polaires. Une fois sur place, il leur faut respecter des règles strictes pour préserver l'environnement, comme ne pas perturber la faune ou emporter de souvenirs tels que des pierres, des plantes ou des animaux. Techniquement, peut-on vivre en Antarctique?
Bien qu'aucune loi n'interdise aux gens d'y résider à titre permanent, il s'agit d'un environnement très inhospitalier et inadapté à l'installation humaine. Les températures peuvent descendre à moins 60 degrés Celsius, voire encore plus bas, ce qui rend presque impossible la survie de quiconque sans l'équipement et l'expérience appropriée. De plus, la Terre la plus proche se trouve à plus de 1600 km, ce qui coupe complètement les habitants du reste du monde. Qui sait, peut-être aurons-nous un jour la chance de visiter ce continent unique et fascinant. Mais en attendant, on se contentera de l'admirer de loin. Parlons maintenant un peu de la découverte de l'Antarctique. Contrairement à d'autres endroits déjà peuplés, l'Antarctique n'a jamais eu de population humaine autochtone. Les philosophes grecs de l'Antiquité avaient pourtant une notion de ce continent et l'ont baptisé Antarctos, qui signifie « en face de l'ours ». Les ours dont il est question ne sont pas les ours polaires, mais les constellations de la Grande et de la Petite Ours, qui ne sont observables que dans l'hémisphère nord. Cette région est donc le contraire du pays de l'ours. À la fin du 18e et au début du 19e siècle, les navires de chasse à la baleine et aux phoques ont commencé à s'aventurer plus au sud lorsqu'ils doublaient le Cap Horn, à l'extrémité de l'Amérique du Sud. On savait que pousser plus loin signifiait souvent des vents plus forts, mais aussi le risque de heurter des icebergs de toute taille. Six courants imprévisibles pouvaient s'avérer dangereux pour le navire et l'équipage. Le capitaine James Cook aura été le premier à franchir le cercle polaire antarctique le 17 janvier 1773 dans la région de la mer de Ross. Il a atteint un point plus au sud un an plus tard, et bien qu'il n'ait pas vu la Terre, l'a approché de moins de 80 km et a aperçu des dépôts rocheux retenus par des icebergs, indiquant qu'il existait bien une Terre plus au sud. Il est généralement admis que la première observation de l'Antarctique a eu lieu en janvier 1820, lors du voyage de deux navires commandés par le capitaine Fabian Gottlieb von Bellingshausen, et CE, dans le cadre d'une expédition de 2 ans autour du monde à la recherche de nouvelles terres. Les navires du capitaine auraient été les premiers à avoir franchi le cercle antarctique depuis Cook. Le premier débarquement incontesté en Antarctique n'a eu lieu que bien plus tard, le 24 janvier 1895, au Cap Adar, lors d'une escale d'un baleinier commandé par Henrik Bull et judicieusement nommé Antarctique. Un petit canot avec 6, ou peut-être 7, hommes à bord s'est alors contenté de ramer jusqu'au rivage par temps calme. Tu ne le croiras peut-être pas, mais l'Antarctique est en fait un désert. Avec toute cette glace, on pourrait penser qu'il s'agit d'un paysage de conte de Noël, avec des batailles de boules de neige et du chocolat chaud toute la journée. Lorsqu'on pense à un désert, on imagine plutôt des chameaux, des cactus et des gens qui font des pieds et des mains pour trouver de l'eau. Mais en Antarctique, c'est une toute autre histoire. La difficulté n'est pas de trouver de l'eau, mais de trouver quelque chose qui ne soit pas recouvert de glace. Les précipitations moyennes y ont été d'un peu plus de 10 mm au cours des 30 dernières années. Ça ne représente que quelques gouttes de pluie par rapport aux averses que nous connaissons. Techniquement, ce ne sont donc pas les dunes ou la chaleur torride qui font un désert. C'est l'absence de précipitations. Mais ne t'inquiète pas, si tu te perds en Antarctique, tu n'auras pas à craindre d'avoir soif. Veille simplement à emporter une veste et des moufles, car il fait assez froid pour te transformer en sorbet. Non seulement l'Antarctique est l'un des endroits les plus secs de la planète, mais c'est aussi le plus froid, le plus venteux et l'un des plus élevés. Par ailleurs, les manchots et les chercheurs de l'Antarctique ont parfois bien du mal lorsqu'il s'agit de se repérer dans le temps. En effet, contrairement à ceux qui se passent sur le reste de cette grande planète bleue, il n'y a pas de fuseau horaire en Antarctique. Toutes les lignes de longitude se rejoignent en un seul point au pôle sud, ce qui complique quelque peu la tâche lorsqu'il s'agit de déterminer l'heure qu'il est vraiment. Tu te dis peut-être, mais comment les scientifiques et les chercheurs font-ils pour garder la notion du temps là-bas? Bonne question. Ils s'en tiennent généralement au fuseau horaire du pays d'où ils sont partis. Cependant, avec des stations du monde entier réparties sur le continent, les choses peuvent vite devenir un peu bizarres. Imagine que tu essayes de te coordonner avec les pays voisins sans les réveiller accidentellement au milieu de la nuit. On pourrait penser que peu de choses peuvent survivre dans un endroit où la température est aussi basse, où le soleil pointe à peine et où le vent peut emporter aussi vite qu'un fétu de paille. Eh bien, comme dans de nombreux endroits sur Terre, la vie a également trouvé le moyen d'exister en Antarctique. Crois-le ou non, ce continent gelé est en pleine effervescence. Il abrite des milliards de krill qui attirent à leur tour de nombreux phoques et plus de manchots qu'il n'est possible d'en compter. Mais ne te fie pas à leur apparence mignonne et câline.
Les manchots sont des nageurs hors pair, dont le corps fuselé rendrait jaloux les plus grands médaillés olympiques. Ils se rendent sur le rivage pour se reproduire et se rafraîchir, mais leur véritable talent consiste à se chipper des cailloux entre eux et à former des cercles mathématiquement précis pour conserver leur chaleur. L'Antarctique abrite également la plus grande espèce de manchots sur Terre. Il s'agit du manchot empereur. Certes, ces oiseaux sont bien incapables de voler, mais cela ne signifie pas qu'ils ne savent pas sauter. À vrai dire, certains d'entre eux peuvent effectuer des bonds de 3 mètres hors de l'eau. Et n'oublions pas les phoques, avec leur corps poilu et leur chant mélodieux. Ces mammifères marins sont également protégés par le traité sur l'Antarctique et prospèrent dans les eaux fraîches de l'océan Austral. Mais les véritables vedettes du spectacle sont les baleines. Pendant l'été antarctique, ces énormes créatures viennent en masse pour se repaître d'une abondance de krill. C'est un véritable buffet pour les baleines. Y a-t-il quelque chose de plus exaltant que de découvrir des endroits cachés sur notre planète? Aujourd'hui, nous partons pour un voyage que tu n'oublieras pas de sitôt. Mais couvre-toi bien, il va faire très froid. Tu sautes dans un avion et tu atterris au Groenland, une île recouverte de glace. En guise de bienvenue, tu assistes à ta toute première aurore boréale, également connue sous le nom d'aurore polaire. Tu n'en crois pas tes yeux. Ton guide t'explique que ce phénomène est plutôt rare. Habituellement, les gens passent des jours à essayer d'en apercevoir une. Tu te dis que tu as de la chance et tu prends ton temps pour apprécier ces magnifiques voiles de lumière verdâtre qui dansent devant tes yeux. Par chance, tu as apporté ton appareil photo. Entre deux clichés, tu apprends que les aurores boréales sont le fruit d'événements plutôt violents. C'est l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et la haute atmosphère de la Terre qui produit ce spectacle extraordinaire. Le deuxième jour, tu continues ton exploration, mais dans les airs. Cela ne te surprendra peut-être pas, mais le Groenland est l'une des plus grandes îles au monde. À bord d'un hélicoptère, tu peux cette fois découvrir cet infini paysage de glace. Au cas où tu serais curieux, tu es en train de survoler 1,7 million de kilomètres carrés de glace épaisse. Tiens, qu'est-ce que c'est ça, en bas ? On dirait une famille d'ours polaires. Il ne faut pas trop s'en approcher, bien sûr. Les conditions climatiques au Groenland sont certainement très difficiles pour les humains, mais certaines espèces animales se portent très bien sur ce territoire. Voici des rennes, des loups et des renards arctiques. En chemin vers le Groenland, tu as probablement fait une escale à Copenhague. Le Danemark est l'un des rares pays à proposer des liaisons régulières avec cette île. Tu l'ignorais auparavant, mais elle appartient en fait au royaume du Danemark. Sur une carte, tu la trouveras entre les océans Arctique et Atlantique. Tu as de la chance, car ton pilote, qui connaît bien la région, te fait part de quelques secrets concernant ce paysage. Sous sa surface blanche de 3,2 km d'épaisseur, se trouve un monde complètement différent. Un monde plein de canyons, de cratères sculptés par des météorites et de fossiles végétaux millénaires. Tu es impatient d'aller découvrir chacun de ces endroits. Mais bien sûr, tu devras faire appel à ton imagination, car tout est caché sous la glace. Crois-le ou non, près de 80% de la surface de l'île en est recouverte. Ton premier arrêt est le Grand Canyon du Groenland. Tu atterris non loin, quelque part dans la partie nord de l'île. Tu sais peut-être que les canyons sont des vallées profondes et étroites aux parois abruptes. Mais je parie que tu ne savais pas que le mot canyon vient de l'espagnol canyon, qui signifie tube ou tuyau. Ce Grand Canyon présente quelques similitudes avec celui des États-Unis. Tout d'abord, en termes de taille, il fait au moins 750 km de long et jusqu'à 800 mètres de profondeur à certains endroits. Une véritable vallée sous glaciaire. Et si tu te poses des questions sur son origine, eh bien, le canyon a probablement été formé par un cours d'eau avant que la glace ne prenne le dessus. Et oui, le Groenland n'a pas toujours été recouvert de glace. Cette île, autrefois, était verte. Nombreux sont les endroits sur Terre qui, s'ils sont aujourd'hui glacés comme l'Antarctique, furent jadis tout à fait verdoyants. Les scientifiques ont découvert qu'à une certaine époque, le Groenland était en grande partie exempte de glace. Grâce à un radar aéroporté, ils ont fait quelques trouvailles étonnantes. Au fait, les radars ne peuvent pas détecter la glace. Si tu as du mal à le croire, essaye de mettre un glaçon dans ton micro-ondes. Il ne fondra pas. La récente découverte de plantes fossilisées a permis aux chercheurs de savoir que le Groenland était jadis beaucoup plus chaud qu'on ne l'imaginait.
Lors d'une exploration conduite en 2021, des scientifiques de l'université du Vermont ont trouvé des fossiles de brindilles et de feuilles, ce qui les a fortement déconcertés. Ils s'attendaient à découvrir du sable et des roches dans la couche de glace la plus profonde. Mais au lieu de cela, ils ont trouvé des preuves d'une flore abondante. Avec tout ce que tu as pu voir du paysage, il te sera difficile de croire qu'il y avait autrefois des forêts ici. De nos jours, la végétation du littoral groenlandais est principalement constituée de toundra. Et c'est à peu près tout. Mais d'après le matériel génétique découvert dans ces plantes fossilisées, les chercheurs pensent que l'île était bien plus verte autrefois. Il est même probable que des forêts y abritaient des insectes et que des papillons et des coléoptères y volaient par millions. La température moyenne sur l'île variait de 10 degrés en été à moins 17 degrés en hiver. Les appareils de l'opération Icebridge de la NASA ont survolé le Groenland plus de 100 fois. Cela leur a permis de créer des cartes en 3D du territoire et de déterminer l'âge de chaque couche de glace de sa calotte. Les calottes glaciaires peuvent nous aider à résoudre de nombreux mystères, car elles se forment sur des milliers d'années. Elles consistent en des couches de neige venant recouvrir d'autres couches de neige. La neige se tasse pour former de la glace qui, à son tour, va former ce que nous appelons une calotte glaciaire. Et ces fossiles dont nous parlions ? On pense qu'ils datent de l'Éhémien, période que l'on situe entre 130 000 et 115 000 ans avant le présent. Selon les images 3D obtenues par la NASA, nous pouvons deviner trois périodes climatiques distinctes au sein de la calotte glaciaire. La couche la plus élevée est assez plate et uniforme. Si tu décidais de creuser un peu plus profondément, tu tomberais sur la couche qui s'est formée pendant la dernière période glaciaire. Elle est plus complexe et accidentée. La glace y est plus sombre qu'à la surface. Si tu laisses ton esprit vagabonder, tu peux imaginer à quoi ressemblait cette partie du monde lorsque les mammouths s'y promenaient. En continuant à creuser, tu finiras par trouver des restes de glace de l'Éhémien, dont je t'ai parlé. Mais on n'a pas découvert que ces extraordinaires canyons sous la glace. Si tu pouvais jeter un œil sous toutes ces couches de neige, tu verrais une impressionnante chaîne de montagnes, mais aussi de magnifiques fjords. En 2017, des scientifiques ont créé une carte représentant le Groenland sans toute sa glace. On y découvre une dépression en forme de cuvette en plein milieu de l'immense île. Cette dépression était très probablement jadis un lac. Tout autour se dressaient des chaînes de montagnes. Ce paysage ressemblait sans doute à la Patagonie moderne. Des hautes montagnes aux sommets enneigés entourant des lacs cristallins. Cet ancien lac du Groenland est une véritable merveille. Sa fosse est aussi grande que les États de Rhode Island et du Delaware réunis. On pense que le lac occupait plus de 7000 km² et, à l'époque, au moins 18 cours d'eau différents l'alimentaient. Ces eaux bleues et limpides devaient être magnifiques, et glaciales bien sûr. Si l'on souhaitait y faire un petit plongeon, la prudence était de mise. À certains endroits, ce lac atteignait une profondeur de 243 mètres. Le troisième jour de ton aventure, tu découvres un véritable parc aquatique sous la glace. Alors que vous vous promenez, ton guide te dit de faire bien attention aux fissures qui se trouvent sur la surface. Ce sont ces fissures qui ont causé la formation d'un réseau lacustre complet. Les eaux de fonte et de pluie coulent dans les fissures de la glace jusqu'au lit des rivières. Le résultat ? Un paysage de lacs et de ruisseaux cristallins aux reflets de joyaux. Les chercheurs estiment qu'il existe environ 60 petits lacs sous-glaciaires. Et oui, ce sont bien de vrais lacs. Mais l'une des particularités cachées les plus impressionnantes de cette île est peut-être ce cratère de météorites. Sous le glacier Hiawatha, tu trouveras un cratère d'impact de 30 km de diamètre, assez grand pour engloutir la ville entière de Washington. Apparemment, un astéroïde de fer d'un kilomètre de large est entré dans l'atmosphère de notre planète il y a au moins 100 000 ans et a choisi d'atterrir au Groenland. S'il y avait eu quelqu'un pour voir ça, le spectacle aurait été saisissant. Une boule de feu blanche et incandescente fendant les cieux à une vitesse incroyable. D'après les scientifiques, s'il a atterri sur la calotte glaciaire, il a certainement vaporisé toute l'eau et la roche qui s'y trouvait. Une personne se tenant à des centaines de kilomètres du point d'impact aurait entendu un coup de tonnerre assourdissant et essuyé des rafales d'une violence cyclonique. Mais ce n'est pas étonnant. Les météores entrent dans l'atmosphère terrestre à une vitesse moyenne de 72 400 km/h. À titre de comparaison, cela représente 2,5 fois la vitesse d'une navette spatiale. Forcément, ça va faire du bruit et former un immense cratère. Savais-tu que le Pléistocène a été une époque très importante de l'histoire de la Terre ? Elle correspond à la dernière période glaciaire. Des glaciers recouvraient alors une grande partie de la planète. Cette période a duré environ 2 et 6 millions d'années et s'est terminée il y a environ 1170 ans.
Ce qui est encore plus cool, c'est que les humains modernes ont évolué pendant cette période et se sont répandus sur toute la Terre avant qu'elle ne prenne fin. Des animaux vraiment fascinants ont également vécu pendant le Pléistocène. Les mammouths, les nœuds et les félins à dents de sabre. Malheureusement, beaucoup d'entre eux ont ensuite disparu. Ces derniers 2 et 4 milliards d'années, la Terre a connu des phénomènes météorologiques assez violents. La glace est assez rare, mais nous connaissons des périodes de glaciation récurrentes. Pendant ces périodes, les températures chutent et de vastes zones de la planète sont recouvertes de glace. Tout commence par un peu de neige, qui s'accumule au fil du temps. La glace réfléchit la lumière du soleil, ce qui réduit encore les températures. Le résultat ? De vastes glaciers qui se déplacent lentement vers l'équateur et modifient le paysage. Et lorsque la glace fond, le niveau de la mer augmente à nouveau, et tout change. Au total, nous avons connu au moins 5 périodes glaciaires. La première a été si intense que la planète s'est transformée en une énorme boule de neige. À l'heure actuelle, nous sommes en fait au milieu d'une de ces périodes. Mais nous traversons une époque de réchauffement temporaire, commencée il y a environ 1100 ans. 6 périodes chaudes sont appelées interglaciaires, et nous ne savons pas exactement combien de temps elles durent. L'Antarctique et le Groenland sont recouverts d'énormes couches de glace contenant 75% de toute notre eau douce. Leur fonte marquera la fin de l'ère glaciaire actuelle. La température est affectée par ce que l'on appelle les cycles de Milankovitch. En gros, la quantité de chaleur que nous recevons du Soleil change au fil des ans, des décennies et des millénaires, selon l'orbite, l'inclinaison et l'angle de l'axe de la Terre. Il existe 3 schémas différents. Le premier est l'excentricité et concerne la forme de notre orbite. Le deuxième est l'obliquité et a trait à l'inclinaison de la Terre. Et le troisième est la précession, qui représente l'oscillation de la Terre en rotation. Selon notre position dans ces cycles, nous connaissons des températures plus ou moins froides. Mais d'autres éléments, la position des continents, l'atmosphère, jouent un rôle dans le destin de notre planète. Par exemple, l'orbite de notre planète n'est pas tout à fait circulaire. Elle est en fait un peu allongée, en forme d'œuf. Cela signifie que nous sommes parfois un peu plus près ou un peu plus loin du Soleil, selon la période de l'année. Nous appelons le point le plus éloigné du Soleil l'apogée, et le point le plus proche est le périgée. Lorsque nous sommes à l'apogée, nous nous éloignons du Soleil, mais la gravité finit par nous ramener vers lui. Cela signifie que notre orbite change un peu à chaque fois, déplaçant progressivement notre position par rapport au Soleil. Ne t'inquiète pas, même si notre orbite change, cela n'a pas un grand impact sur notre vie quotidienne. Les changements dans l'orbite peuvent affecter la quantité de soleil que nous recevons pendant l'été. Cela signifie que les couches de glace de l'hémisphère nord fondent moins et, avec le temps, elles commencent à grandir. En grandissant, elles réfléchissent encore plus la lumière du soleil, ce qui rend le climat encore plus frais et étend davantage la glace. Ce processus peut durer très longtemps, de 10 000 à 20 000 ans, et finit par faire entrer la planète dans une nouvelle période de gel. Quant à la prochaine ère glaciaire, on pense qu'elle pourrait être reportée indéfiniment. On a découvert que l'interaction humaine avec l'environnement, comme l'utilisation de carburant, pourrait retarder la prochaine période glaciaire de 100 000 ans. Les périodes glaciaires passées étaient reliées à la quantité de rayonnement solaire et à la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Savoir cela peut nous aider à prédire les cycles futurs. Il est incroyable de penser que nos actions peuvent affecter l'avenir de la Terre pendant des milliers d'années. Et si la date de la prochaine période glaciaire n'est pas très importante, il est plutôt cool de savoir que nous avons le pouvoir de façonner l'avenir à l'échelle géologique. Les périodes glaciaires ont eu un impact énorme sur notre planète et sur la civilisation humaine. Il est donc fascinant de penser à la façon dont nos actions pourraient changer les choses, peut-être pour le meilleur. Mais à quoi ressemblait la vie sur notre planète pendant la dernière période glaciaire? Eh bien, l'Amérique du Nord, par exemple, abritait d'énormes créatures. Les mammouths, les félins à dents de sabre,
Les paresseux géants et les mastodontes n'en sont que quelques exemples. Il y avait en Europe un oiseau de 3,3 mètres de long qui pesait presque autant qu'un ours polaire. Pendant ce temps, en Australie, on trouvait un peu partout un lézard géant appelé Megalania prisca. Même si certains animaux du Pléistocène n'existent plus, tu reconnaîtras peut-être beaucoup de ceux qui existent encore aujourd'hui. En Alaska, par exemple, tu peux encore trouver des ours bruns, des caribous et des loups. Des gens comme nous ont également vécu pendant la période glaciaire. Notre espèce, Homo sapiens, existe depuis environ 300 000 ans. Et nous nous sommes répandus dans le monde entier depuis lors. Certains de nos ancêtres sont restés en Afrique pendant la période glaciaire et n'ont pas ressenti tous les effets du froid. D'autres se sont aventurés ailleurs, jusque dans les régions les plus froides d'Europe. Nos premiers parents, comme les Néandertaliens en Europe et les mystérieux Denisoviens en Asie, étaient également présents à cette époque. Bien qu'ils semblent s'être éteints avant la fin de la période glaciaire, il est assez étonnant de penser à tous ces hominidés différents parcourant la Terre en même temps. Il est aussi fascinant, c'est de savoir comment notre espèce a réussi à survivre alors que nos cousins n'y sont pas parvenus. On pense que notre capacité d'adaptation, nos compétences sociales et l'utilisation d'outils ont joué un rôle énorme. Et devine quoi ? Les humains ne se sont pas contentés de se terrer pendant cette période. En fait, nous nous sommes beaucoup déplacés. Des empreintes de pas fossilisées trouvées dans le parc national de White Sands au Nouveau-Mexique prouvent que nous sommes présents en Amérique du Nord depuis au moins 23 000 ans, soit depuis l'apogée de la dernière période glaciaire. Bien qu'une véritable ère glaciaire soit encore loin, il est possible qu'une mini-ère glaciaire se profile à l'horizon. Certains scientifiques pensent que dans une dizaine d'années, nous pourrions connaître une baisse significative de l'activité solaire et des températures plus froides dans l'hémisphère nord. Il pourrait en résulter des conditions similaires au petit âge glaciaire de la fin du XVIIe siècle, lorsque la Tamise, au Royaume-Uni, a gelé. Les scientifiques hésitent encore sur les causes de ce refroidissement, mais il est fascinant de penser aux changements potentiels. Nous sommes déjà passés par là. Nous savons donc que nous survivrons très probablement à la prochaine grande ère glaciaire, même si nous ne trouvons pas le moyen de l'arrêter. Mais le prix à payer sera élevé. Toute la glace qui recouvrira la majeure partie de l'hémisphère nord proviendra des océans, ce qui entraînera une baisse du niveau de la mer. Cela pourrait signifier plus de terres pour certains pays, mais cela créera aussi d'autres problèmes. La baisse du niveau de la mer peut sembler une bonne chose à première vue, mais en fait, cela pourrait poser quelques problèmes. Ayant été recouverte d'eau salée pendant des milliers d'années, les nouvelles terres pourraient ne pas être très fertiles. Cela signifie qu'elles ne se prêteraient pas à la culture et que nous devrions trouver d'autres moyens de nous nourrir. Au début de l'humanité, nous n'étions pas nombreux et la nourriture était abondante. Aujourd'hui, avec plus de 7 milliards de personnes sur la planète, c'est une autre histoire. Nous devrons faire preuve d'ingéniosité pour nous assurer que tout le monde a assez à manger. Ouf ! Cet été aura été plus chaud que jamais. Nous avons l'impression d'être des brochettes de guimauve cuites sur le grill. Certes, le monde devient plus chaud, mais certaines régions ont toujours dû lutter contre des températures élevées. Il s'avère que les gens avaient aussi des inventions pour se rafraîchir dans l'Antiquité. Et certaines d'entre elles fonctionnent toujours, même 3000 ans plus tard. Voyons comment les gens se sont protégés de la chaleur tout au long de l'histoire. Mets un glaçon dans ton soda et prépare-toi à découvrir comment les gens survivaient à la chaleur. En parlant de glaçons, sais-tu que les Perses avaient mis au point un système de stockage de la glace ? Dans les déserts de la Perse ancienne, les gens ont eu une idée hors du commun pour éviter que leur nourriture ne se transforme en gâchis à moitié fondu. Ces Perses ingénieux sont tombés sur une astuce de physique qui leur a permis de créer de la glace au milieu du désert. Ils ont appelé ces structures yakshals, ce qui signifie en fait puits de glace. Ces puits de glace ne tiennent pas des glaciers ordinaires. All set ayant comme des refrigerateurs ou souterrains secrets. De l'extérieur, les yakshals ressemblaient à des structures faites de briques et de boue en forme de dôme. Mais à l'intérieur,
c'était un tout autre monde. Ces fosses à glace étaient dotées d'un système de refroidissement par évaporation qui fonctionnait comme par magie. La nuit, lorsque le désert se refroidissait, les Perses exploitaient l'effet de refroidissement radiatif. Ils ont aménagé des tranchées intelligemment conçues pour contenir de fines couches d'eau. L'eau gelait, défiant la chaleur du désert. Il y avait aussi des aires de stockage souterraines. Les Perses récupéraient de l'eau glacée qui fondait dans ces tranchées fraîches et, pendant la nuit, ils la congelaient à nouveau, tirant ainsi le meilleur parti possible du refroidissement naturel du désert. Pour ajouter à cet effet de refroidissement, ils ajoutaient un mur pour abriter les zones de stockage du soleil brûlant de la mi-journée. Et ce n'est pas tout. Ils disposaient d'une fantastique structure appelée le Badgeir, qui captait la brise et la dirigeait directement vers les fosses de glace. De l'air frais et une brise glacée, la combinaison gagnante. Ils disposaient même de canaux complexes, appelés des canates, pour acheminer l'eau des montagnes voisines jusqu'aux puits de glace et aux maisons. Au fil du temps, ces yakshals sont tombés en désuétude, et la technologie moderne a pris le dessus. Mais il y a aussi de bonnes nouvelles. En Iran, des gens formidables restaurent ces anciennes glacières. Alors, si tu te retrouves un jour dans ce désert, n'oublie pas de visiter ces sites incroyables et d'assister en direct au génie des anciens Perses. Maintenant, on aimerait se concentrer davantage sur ces attrape-vents parce qu'ils ne servent pas seulement à fabriquer des glaçons, mais aussi à se refroidir. À l'époque, ces merveilles architecturales ingénieuses faisaient fureur dans des contrées comme la Perse, l'Égypte et le Moyen-Orient. Imagine des structures en forme de tour avec des ouvertures à différents niveaux stratégiquement placées pour exploiter la puissance de la brise naturelle. Ces ouvertures étaient nues comme des portails magiques pour le vent. Elles captaient ces rafales rafraîchissantes et les guidaient directement dans les espaces de vie des habitations. En fait, il s'agissait de climatiseurs naturels. La brise s'écoulait gracieusement vers le bas, rafraîchissant le sol tout en virevoltant à travers le bâtiment. Le secret réside ici dans les détails. La hauteur de la tour, le nombre de côtés, les ouvertures et le positionnement des pales intérieures. Toujours unrolled dans l'efficacité des tours éoliennes. Grâce à ces capteurs de vent, les sociétés anciennes pouvaient profiter de températures intérieures agréables sans trop transpirer. Peux-tu imaginer vivre à cette époque? Sentir la douce brise souffler dans ton palais, te procurant une sensation de fraîcheur et de bien-être? On attribue souvent aux Perses l'invention de ces impressionnants attrape-vents. Mais n'oublions pas l'Égypte. On y trouve des traces de structures similaires, datant de 1300 ans avant notre ère. Oui, l'invention des attrape-vents a peut-être eu lieu dans les Égyptes anciennes, Mycesta Yazd, en Iran, que l'on trouve le plus grand nombre d'entre eux. L'Ivans Norayen, Papou y vivrait sans ces anciennes climatisures, car il ne pleuvait pratiquement pas dans cette région tout au long de l'année. Observons maintenant ces extérieurs perforés à double paroi. Imagine que tu habilles un bâtiment d'un écran perforé sophistiqué. C'est comme si tu donnais un coup de jeûne à l'extérieur tout en gardant la fraîcheur à l'intérieur. Cette technique de génie permet tout d'abord de disperser la lumière du jour sans que les rayons du soleil ne nous aveuglent. L'écran fait également de l'ombre, offrant à l'intérieur du bâtiment un répit bien mérité contre le soleil ardent. Il s'agit en quelque sorte d'un chapeau de plage naturel pour ta maison. En plaçant cet écran à environ 1 mètre des murs extérieurs, on crée un couloir de rêve où l'air frais circule librement. Et bon, ils ajoutent aussi une touche d'élégance au bâtiment. Ces structures sont parfois appelées « jali ». À Jaipur, en Inde par exemple, la température moyenne pendant la journée est d'environ 38 degrés. Ces structures sont donc cruciales. Les jali se présentent sous différentes formes, en pierre, en stuc ou en bois. C'est un symbole culturel profondément ancré dans l'architecture indienne. On retrouve sa présence intrigante dans des bâtiments historiques emblématiques tels que le majestueux Taj Mahal et le grandiose Fort Rouge de Delhi. Mais ce n'est pas là qu'une chose du passé. Les jalis sont toujours présents dans l'architecture moderne et leur charme a suscité la créativité d'artistes et de concepteurs du monde entier. Il orne l'extérieur du bâtiment, sa section transversale présentant une ouverture plus grande à l'extérieur et plus étroite à l'intérieur. C'est là que l'effet Venturi entre en jeu pour étaler sa physique. Lorsque l'air s'écoule dans ce passage rétréci, il prend de la vitesse, ce qui crée une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment.
L'air soufflant, a une vitesse plus élevée est comprimé, et, lorsque il est relâché, se refroidit. Le moucharabier est un treillis ou un écran en bois utilisé au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Ces merveilles décoratives ressemblent à des stores de fenêtres. Mais ils ne se contentent pas d'être jolis. Ils sont aussi ingénieux. Ils protègent de ton intimité tout en te protégeant du soleil et laissent entrer l'air frais et la lumière. Certaines personnes adjoignent également des pots en terre cuite remplis d'eau, de sable ou de paille humide à leur création. Lorsque l'air chaud passe par les trous, il traverse également la surface poreuse du pot. L'humidité contenue dans le pot s'évapore et rafraîchit l'air. Il s'agit d'une technique peu coûteuse idéale pour les climats chauds et secs. Elle est respectueuse de l'environnement et ne nécessite pas d'électricité. Très bien, avançons rapidement jusqu'à aujourd'hui. Les concepteurs font preuve de créativité et associent la sagesse traditionnelle à la technologie moderne. Les tours Al-Bahar d'Abu Dhabi ne sont pas en reste. Imagine plus de 2000 panneaux hexagonaux qui dansent au gré des mouvements du soleil pour ombrager l'intérieur du bâtiment. L'évaporation de l'eau était une autre arme secrète des anciens, simple mais très efficace. De plus, les Égyptiens de l'Antiquité suspendèrent des tapis et des rideaux mouillés dans l'embrasure des portes. Lorsque l'air passait à travers eux, ils se refroidissaient, ce qui permettait de se protéger du soleil brûlant. Les architectes de l'Antiquité étaient bientôt passés maîtres dans l'art de maximiser la circulation de l'air. Ils savaient comment assurer une ventilation transversale et laisser l'air chaud s'échapper tout en invitant de l'air plus frais à l'intérieur. Si l'on se reporte sur la Rome antique, les bains publics étaient l'endroit en vogue à l'époque. Les gens s'y réunissaient pour discuter de politique, faire du sport et bien sûr se baigner pour se détendre. Le Frigidarium était l'endroit le plus frais des thermes romains. Après un bain de vapeur dans le Caldarium, les Romains se précipitaient dans cette piscine géante pour se détendre. Dans certains endroits, comme la Cappadoce en Turquie, les gens se sont déplacés sous terre pour s'abriter de la chaleur. Ils y ont creusé des maisons douillettes, à même la roche volcanique, exploitant les pouvoirs de refroidissement naturel de la terre. La leçon à tirer est donc simple. Les architectes et les concepteurs peuvent créer des merveilles en combinant les traditions locales et des technologies de pointe. La vallée de la mort, en Californie, s'enorgueillit d'avoir la température la plus élevée, officiellement enregistrée à ce jour, avec 57 degrés en 1913. Quant au record de chaleur en Afrique, il s'élève à 55 degrés, relevé en 1931 à Kébili, en Tunisie. En Europe, la température la plus élevée jamais enregistrée a atteint près de 49 degrés en Sicile en août 2021. Puis, en 2002, le Royaume-Uni a connu l'été le plus chaud de son histoire. Alerte, alerte, abandonne toutes tes affaires derrière toi et mets-toi immédiatement à l'abri. Tout le sud de la planète vient d'entrer en éruption. Ceci n'est pas un exercice. Il y a des gens qui courent partout en criant, des voitures qui se cognent les unes contre les autres. Toute la nation est en panique. Tu es sur la côte sud de l'Australie, mais le ciel est noir et s'étend à perte de vue. Un ami en Inde du Sud t'appelle et te dit la même chose. Il pleut des cendres noires. Tu entends des grondements au loin et ce n'est même pas ton estomac qui en est le responsable. Tout le monde se met à courir vers l'intérieur des terres. Les nuages noirs engloutissent tout sur leur passage. Les voitures, les arbres, les bâtiments. Tu ne peux rien voir derrière toi. Tout le monde est paniqué et perdu. Un tsunami déferle sur les côtes et recouvre tout sur son passage. Ceci est la grande éruption de l'Antarctique. L'Antarctique est ce grand continent désertique couvert de glace. En fait, c'est techniquement le plus grand désert du monde. Il est aussi parsemé d'un grand nombre de volcans qui se trouvent un peu partout. Les scientifiques ont découvert qu'il y a 138 volcans en Antarctique, dont 91 sont cachés sous la surface glacée et 47 au-dessus. Et il pourrait même y en avoir d'autres, mais la plupart de ces volcans sont endormis. On lui donne cette appellation s'il est en effet dormant depuis 50 000 ans. La dernière éruption volcanique a été celle du mont Erebus, dans la partie occidentale du continent. C'est le volcan le plus actif de la partie sud du monde et il se trouve à environ 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer. C'est aussi haut que 5 Burj Khalifa empilés les uns sur les autres. Il y a tout un tas de volcans dans ce genre qui s'étendent sur tout le continent,
Dans la région où il y en a le plus, les volcans s'étendent sur une distance équivalente à celle entre le Canada et le Mexique. Et ce n'est même pas la totalité. Les scientifiques ont prévenu que si l'un de ces volcans intérieurs contenant de la glace entrait en éruption, il ferait fondre la partie occidentale de l'Antarctique et déverserait une immense quantité de glace dans l'océan. Cela ferait monter le niveau de la mer et inonderait de nombreuses terres en danger qui sont déjà menacées. Sans parler des plaques tectoniques qui se déplacent sous la surface et permettent à une partie du magma de se frayer un chemin jusqu'à la surface. C'est déjà assez effrayant de penser à ce qui se passerait si un énorme volcan entrait en éruption, n'est-ce pas? Mais que se passerait-il si tous les volcans du continent antarctique entraient en éruption en même temps? Si tu étais l'un de ces scientifiques sur un bateau en route pour mener des expériences, tu commencerais à ressentir un certain malaise, je crois. Tu remarquerais que l'eau semble aux prises avec un peu plus de courant que d'habitude. Tu regarderais tes collègues scientifiques et verrais que eux aussi ont le même regard inquiet sur leur visage. Lorsque tu débarquerais sur la côte et que tu sortirais tous tes outils et équipements, les choses ne sembleraient pas tout à fait normales. Mais que veux-tu, il faut bien que le travail soit fait. Tu te diriges donc vers la base et tu t'installes. La routine habituelle. Sur la terre aride, tu vois des manchots empereurs se dandiner. Ils chassent, jouent et font des trucs de pingouins. Mais en regardant autour de toi, tu vois que les pingouins se dirigent tout à coup vers l'océan. Et beaucoup d'oiseaux sauvages de l'Antarctique se mettent aussi à voler vers l'horizon. Bizarre. Puis, le sol commence à trembler et derrière toi apparaît une colonne de fumée qui monte dans le ciel. Les cendres d'un volcan peuvent être très nocives pour toute personne souffrant de problèmes pulmonaires et même pour les personnes en bonne santé. Les gaz qui les accompagnent sont généralement évacués rapidement, mais ils sont également nocifs pour l'homme et provoquent des irritations aux yeux et à la gorge. Donc si tu te trouves près de lui, tu auras peut-être besoin d'un masque à gaz. Ou mieux encore, de t'enfuir. Les gaz et les cendres sont la partie la plus dangereuse d'une éruption volcanique. Même si l'explosion et l'expulsion de lave peuvent sembler effrayants, la fumée dans le ciel peut se répandre au loin et même arrêter les avions qui volent autour. Tu te tournes vers tes collègues scientifiques et ils te signalent qu'il est en effet temps de partir. Fais comme les pingouins et pars à la nage. Mais non, car les eaux sont extrêmement agitées et le grondement devient de plus en plus fort. Soudain, tu vois encore plus de fumée qui monte vers le ciel, mais à différents endroits. Il faut retourner au bateau. C'est triste à dire, mais il faut laisser tout cet équipement pour survivre. Transporter tout ce matériel t'aurait ralenti, mais tu es en sécurité pour l'instant. En regardant derrière toi, tu vois un écran de fumée sombre qui oblitère tous les coins du continent. Les volcans ont différents types d'éruptions. Il n'y a pas juste la version lave éjectée vers le ciel. Elles peuvent être très violentes ou toutes calmes. Certains crachent de la lave et d'autres non. Tout cela dépend de l'environnement et du nombre de gaz qu'il contient. Ou s'il y a de l'eau souterraine, et même de la chimie du magma. Il y a donc de fortes chances que tu vois tous les types d'explosions autour de toi. Certes, tu es sur le continent antarctique, mais il est aussi entouré de lagons et de calottes glaciaires géantes partout. Tu fais de ton mieux pour manœuvrer autour d'elles, mais les cendres tombent tout autour. Le ciel est sombre, car la fumée bloque le soleil. Les cendres volcaniques possèdent différentes tailles et peuvent causer toutes sortes de dégâts. D'une simple irritation des poumons et des yeux à l'étouffement de la végétation et des champs. Et c'est justement cela le problème. Le plus souvent, ces cendres volcaniques sont extrêmement épaisses. Elles peuvent même faire s'effondrer la toiture de certains bâtiments s'il y a trop de cendres accumulées. Sans parler du blocage des routes et de la mise en danger de la vie aquatique. Et cet éclair dans le ciel n'est malheureusement pas le fruit de ton imagination. Les nuages de cendres dans le ciel sont tellement puissants qu'ils créent des champs électriques qui peuvent provoquer des orages. Et ces vilains phénomènes peuvent interférer avec les signaux radio et même déclencher des incendies. De plus, ces nuages sont extrêmement chauds, comme si toute cette coulée de lave n'était pas suffisante pour déclencher des incendies. Eh bien, merci, hein ? Mais il y a aussi les volcans explosifs. Et avec les cendres, il y a carrément des rochers qui volent. Ces débris surchauffés tombent du ciel comme des météorites et peuvent être très dangereux. Tu vois sous tes yeux les rochers frapper les calottes glaciaires et l'eau qui vous entoure. Lorsque tu atteins une zone un peu plus sûre, tu vois les volcans joliment alignés derrière toi, crachant tout ce feu épais et gluant. Mais la mer n'est pas vraiment paisible non plus. Les volcans situés près des océans et des mers peuvent même provoquer des tsunamis. Super !
Les tremblements de terre sous-marins secouent le fond des océans et produisent de grandes et puissantes vagues. Évidemment, si tu penses à aller surfer dessus, eh bien, oublie. S'il y a des volcans qui crachent de la lave rouge et chaude, pourquoi toute la glace de l'Antarctique n'a-t-elle pas déjà fondu avant ? La réponse se trouve sous la surface de la Terre. Les plaques tectoniques se déplacent à peine en dessous. On peut même dire, sans trop se tromper, qu'elles sont stables. Donc, pour une si grande surface, le continent le plus froid de la Terre, les quelques volcans actifs restent insuffisants pour faire fondre toute cette glace. La vraie raison pour laquelle la glace fond est que le niveau de l'eau augmente, ainsi que le courant océanique chaud qui entoure l'Antarctique. Mais ce jour-là, ils entrent tous en éruption en même temps. Mais le problème, c'est que même si on a découvert quelques volcans, on ne sait pas vraiment combien il en reste sous terre, recouverts de glace. Et c'est là que réside la partie effrayante. Certains de ces volcans sont cachés si profondément sous la surface glacée qu'ils se réchauffent actuellement grâce à la lave toute proche. La glace commence à déstabiliser tout ce qui se trouve autour. Celle qui se trouve sur les sommets commence à se fissurer peu à peu. À terme, c'est comme une canette de soda géante qui éclate. La lave jaillit des profondeurs sous la neige, provoquant d'énormes fissures dans le sol. Et puis le magma trouve lui aussi son chemin pour participer à la fête. Cet invité, pas franchement apprécié, va commencer à faire fondre les environs, ce qui déstabilisera encore plus le sol. Lentement mais sûrement, la glace autour de l'Antarctique va fondre. Et si toute la glace fondait, le niveau de la mer s'élèverait d'environ 70 mètres. Cela signifie que les villes côtières seraient submergées sous l'eau. Les courants océaniques seraient inversés et les ouragans et les typhons ne pourraient plus faire de pause. La vie sous-marine serait en danger et de nombreuses petites îles disparaîtraient complètement. Et sans parler de la fumée dans l'air qui se baladerait autour du monde et empêcherait de nombreux vols d'avions dans la région du Sud. Et si les vents étaient assez forts, du monde entier carrément. Les économies s'effondreraient et on assisterait à une vague de panique mondiale. Il y aurait des urgences sanitaires tout au long de l'année. Waouh, quelle terrible perspective, n'est-ce pas ?